Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue dans la Playroom sur un nouvel épisode de Fallout 3. Et donc je suis à la recherche du scribe Rothschild. Rothschild ? Non. Rothschild. Le voilà. Ça a donné pour demander des informations sur le 87. Ah, et bien pour ça, je pense pouvoir vous aider. Venez ici quelques instants. Je vais vous montrer où il est. Ah, il va nous montrer sur la grande carte. Génial. Où est-elle? Là. Ah, excellent. Oh non. Oh non, il a cessé de bouger. Ah, j'ai cru. Ouf. Cette carte indique l'emplacement de tous les abris connus de la région. L'abri 87 a été mis en évidence là. Accéder à l'abri 87 vous sera particulièrement difficile, je crois. Pourquoi donc? Pourquoi? Où est la difficulté? La zone est hautement irradiée. Le niveau de radiation est mortel près de la porte. Y entrer directement sera impossible. Forcément. Comment faire pour traverser les radiations? En deux mots, c'est impossible. La moindre tentative entraînerait votre mort. Il doit y avoir un autre moyen. Vous avez autant de détermination que votre père, semble-t-il. Dans ce cas, vous avez raison. Il existe peut-être une autre solution. L'abri 87 se trouve tout près des cavernes de Lamplight. Il est tout à fait possible qu'on puisse y accéder depuis ces grottes. Intéressant. Eh bien, je crois qu'il est temps de le découvrir. J'irai là-bas moi-même. La confrérie ne peut se priver des moyens nécessaires à l'exploration de la zone. Peut-être aurez-vous plus de succès. Si vous trouvez quelque chose, revenez ici afin que nous puissions décider de la conduite à tenir. Et voyez, merci pour votre aide. J'aimerais pouvoir faire plus, mais l'enclave constitue potentiellement une menace très très sérieuse pour la confrérie. Tous mes efforts doivent maintenant être consacrés à l'évaluation de la menace qu'elle représente. Je suis sûr que vous comprenez. Bizarrement, je pense qu'il serait capable d'utiliser le Jack pour ses propres dessins. Alors, je fais une petite sauvegarde rapide, chers amis. Je vais aller voir ensuite si on a tous les trucs qui sont apparus. Ce serait cool. Ils ne sont pas apparus du tout. Ok, alors un instant, j'ai quand même, au cas où, prendre une photo. Hop. Salut. Hop, voilà. Au cas où qu'on ait vraiment besoin de quelque chose genre... Genre aller checker tout ça. Voilà. Alors. On va aussi aller voir Gunny, qui pourrait apparemment nous fournir une... un entraînement d'armure assistée. Je vous rappelle qu'on était déjà allé le voir, il était complètement buggé à moitié. Mais bon. Gunny. Il y en a qui font des pompes. Ah, te voilà mon pote. Bonjour. Oh, parfait. Une source de distraction. Oh, si je dois regarder ces gamins rater leur cible une minute de plus. Le pauvre. Pouvez-vous me montrer comment porter une armure assistée? J'ai appris votre venue. Oui, je peux vous former, mais ça ne me plaît pas. Mes initiés doivent trimer. Et vous, vous avez un billet de faveur? Quoi qu'il en soit, vous vous sentez d'attaque? Bon, pour porter une armure assistée, la première chose à faire est de se détendre. Non, je l'écoute pas. Laissez l'armure travailler, d'accord? Bon, vous... Quoi? Mais je voulais apprendre tous les secrets de l'armure assistée. Quelle aide puis-je vous apporter? Bon, on ira voir l'autre trou du cul qui avait les armures assistées améliorer, mais une autre fois. Bah c'est cool. Donc en fait j'imagine que le robot sortira de par là. Ensuite faut qu'on se rende donc au truc 87. Alors après, est-ce qu'on a envie d'aller directement au 87 ou est-ce qu'on peut aller là-dedans? Ça pourrait être sympa d'aller là-dedans. Chevy Chase Est. Je vais aller à l'usine Corvega, je vais aller directement au sud, on va bien voir. Donc là-bas, il y a un robot, sud, là-bas. Parfait. On va voir si on peut pas trouver les archives directement.
Cependant, je dois vous avouer que je resterai sur mes gardes. Je sais qu'il y a un level cap dans ce jeu qui débloque les écorcheurs, si je me trompe pas. Je semble en avoir parlé avec un ami à l'époque. Et les écorcheurs sont de véritables saloperies. Sans compter les différents points de radiation remplis de ghouls. Faudra aussi qu'on aille à Underworld aussi. Maintenant que j'y pense. Yaoguai là-bas. Qu'est-ce qu'on a? Change l'arme vite. Où est-il? Là. Bonjour l'ami. Désolé. Tu ne mangeras pas aujourd'hui. Bon. L'obélisque est là-bas, c'est là qu'on se dirige. Même si entre deux, il y a un petit point apparemment. What? Des ratopes. Et un robot. Oh la vache! Les ratopes de la mort, quoi. C'est là que j'ai le plus de chances de toucher. Voilà. De toute façon, en soi, ils sont pas de grosses menaces, les ratopes. Enfin, oui. Enfin, je me comprends, quoi. Putain, le caillou. Touché. Raté. Touché. Je vais vous avouer que tous ces points m'intriguent. Mais bon, c'est par là. C'est bien par là. On va sûrement tomber sur des ghouls dans le coin. Entre autres choses d'ailleurs. Grotte de Rock Creek, où est-elle? En dessous, j'imagine. Ouais. Bon, ça nous fait un point. Un point dans la zone. Toujours ça de prix. Je le sens pas à l'endroit. Je sais pas vous, ça sent le super mutant. Ou le rider, je sais pas. Ouh! Le dépôt de la garde nationale, vous êtes sérieux? Protégé par des protectrons? Pourquoi pas? Je dois vous avouer que ça m'intéresse, chers amis. Bim. Bim. Voilà, ça c'est fait. Apparemment, il n'y a pas d'autres ennemis dans le coin. C'est l'armée, hein. C'est littéralement l'armée. Hein. La garde nationale, si je me trompe pas, c'est... J'ai cru qu'une balle était passée devant moi. Je sais pas, non, je me rappelle plus. Faudrait que j'envoie les différentes institutions américaines au niveau de l'armée. Je sais qu'il y en a une, c'est la milice. Non, c'est la milice, ça. Je suis bête. Je suis stupide. Pourquoi avoir mis des Coca-Cola à des robots, sérieusement? Bon, on rentre dans un bâtiment.
sort le pompe. What? Non, pas de radio, s'il te plaît. Oh putain, il y a du gaz partout. Autrement dit, si un mec tire... Hein, monsieur Gusty? Seriously? Je suis à couvert pour une raison complètement inconnue. Ah non, j'ai rien dit, je suis touché. Alors j'espère qu'il n'y a pas de musique, Free Dogs là. Ce serait vraiment pute. Après tout ce qu'on a fait pour lui. Ou si peu de choses qu'on a fait pour lui. Je prendrais mal. Pas de coffre là, non? Non, rien du tout. À vrai dire, je m'attendais à une mine. Il y a une croix là-bas. Incroyable. Ok, il me parle, mais je ne sais pas pourquoi, et en fait, je ne sais pas comment il m'a vu non plus. Est-ce que je touche de là, d'après vous? Contrôleur de mouvement. Ça a l'air important. Aïe. Peut-être prendre une arme un peu plus précise. J'ai pas l'impression de toucher au bon endroit en fait. J'ai l'impression que dès que je vise ces espèces d'yeux là, je vise le mauvais endroit. Enfin, ça, la balle va au mauvais endroit. What? Oh! Ah putain, mais il est encore coincé quelque part! Non! Death Roll Nul! Tiens! Doivent être au-dessus. Non, j'ai vu une tourelle tout à l'heure là. Veuillez dégager. Le tir est désormais librement autorisé dans cette zone. Oula! Citoyens respectueux de la loi, veuillez quitter le secteur. Bon, bah, apparemment, il y a des gens, mais. Je n'ai pas l'occasion de les voir. Attention, l'individu en fuite doit être considéré comme armé et dangereux. Ok, bonjour l'ami. J'espère que tu vas bien. Comme je l'ai dit, je sais qu'il y a une tourelle quelque part. On l'a vu tout à l'heure. Bonjour. Ça c'est fait.
Alors, il y a un terminal. Voyons voir. Alors, sterilize, non. Crypting, non plus. Non plus. Retentons notre chance. Encounter, complete. September, non plus. Bon. Je crois qu'il y a une musique dans le fond, mais ça m'énerve parce que je pense que je vais pas l'entendre et qu'elle va quand même. Regulate, renovate, retreated. Oh putain. Pendleton. Poisoning. Primitive. Precise. Defeating. Releasing. Receiving. Accepting. Accepting. Pourquoi pas. Defeating. C'est la dernière. Quand on en a 3 et que ça finit par ING souvent, c'est bon signe. Endorphine. Voilà. Parfait. Alors. Est-ce qu'on entend que ça tire ou pas? Apparemment non. Désactiver les tourelles. Hop. Non, y'a rien. Là par contre il y a une sorte de cellule, ça m'intrigue. Ah bah dis donc. C'est pas top niveau radiation hein. Parfait, merci, merci, stop, 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 stop. Vestiaire vide. Vestiaire vide. Vide, vide, vide. Ok, cool. Merci les mecs, c'est sympa. La belle tourelle, elle était là. Ok. The Whiskey Weed. Une boîte de une bouteille de Whiskey Weed. J'arrive même plus à parler, c'est triste. Ouh. Porte de service. La porte s'actionne ailleurs. Oh. Il m'a fait peur celui-là. Sécurité en cours. Risque d'emploi de la force létale sans sommation. Alerte. Il est conseillé aux non-combattants de quitter la zone. Alliage de sécurité en cours. Risque d'emploi. Analyse de menace. Code vert. Alliage de sécurité annulé. Mouais. Bon, on remonte. Celui-là, on va aller le chercher quand même. Aïe. Tant que ça ne me coince pas, ça me dérange pas. Mais j'ai peur qu'un jour ça me coince, ce genre de choses. Ce genre de conneries. Voilà, donc il était encore au-dessus. Mais à part ça, ça va. Je ne l'ai pas vu au-dessus. Par contre, ces rades commencent à me faire vraiment mal. What? Ok, mais comment je monte plus haut? Drapeau américain, c'est génial. America! Fuck yeah! Je me suis dit qu'il fallait pas que je la dise celle-là, mais enfin bon, c'est pas grave. Il y avait du carburant de lance-flamme, le salaud. Wouh! Il y a quelque chose qui me regarde. Bah attendez, si j'ai autant de chance de détruire la puce de ciblage,
Alors, ça y est. On va toucher à quelque chose d'un peu plus précis quand même. Elles sont deux. Bim. Bim. Nous sommes donc un peu plus haut. Le terminal est mort. Pas celui-là. Système de contrôle des tourelles. Mais oui, mais j'ai déjà fait ça. Bon, retentons notre chance. Salvation. Oula, c'est pas ça. Importante, c'est pas ça non plus. Humankind, c'est pas ça non plus. On n'est pas doué dans le piratage quand même, chers amis. Hein. Fortified, non. Amplifies, non plus. Agreement, non plus. Blah. Requiring. Putain, je me suis trompé de mot en plus. Repairing. Magician breakfast. Nanana. Marduing. Humankind. Bartering. Non plus. Putain. C'est pas possible. Tu vas me le donner, l'accès à ces pétins de tourelles détruites? Presented. Non. Batteries. Non plus. Converted. Oh putain. Si j'étais tombé sur Converted dès le début, ça aurait été cool. Resaving. Bon bah voilà. À force de bourrer, chers amis. Désactiver les tourelles. Merci. What? Un robot sentinelle, carrément. Donc bah non, bah donne-moi accès à la tête, qu'est-ce que je te dise? Ah oui, je suis pas avec la bonne arme. Ah bah attendez, j'ai ce qu'il faut en fait. J'ai carrément ce qu'il faut. What? What? Il a survécu? Pin, 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 pin. Pin, 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 pin. Pin, 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 pin. Voilà, on l'a eu. Alors, par contre, on a pu... Enfin, on va tomber malade. Radaway. Parfait. Par contre, je ne me trompe pas si je dis que j'ai entendu une saloperie de tourelle, non? Apparemment, si. Bon, bah écoutez. Et je vais finir par mettre une tenue environnementale, là, les gars. Là, ça va pas. C'est vrai qu'il y a du verre partout. Hein. C'est irradié de chez irradié. Ah, c'est là. Non? Non, même pas. C'est juste un machin à PQ ça, ok pourquoi pas. À boire, à boire, à boire, à boire. Putain cet épisode commence à être long en plus. Je m'en rends pas compte parce que je m'éclate mais... Nuka Cola. Qu'est-ce que t'avais sur toi? Potable. Des patates. J'ai pas vu sur quoi. J'ai pas vu dans quoi je suis rentré. Oh. C'est bizarre, je m'attends à ce qu'il y ait de l'enclave là-dedans. Ouvrir, qu'est-ce qu'il y avait dedans? 40 capsules, ouh! Je m'attends clairement à l'enclave.
pour ça qu'il y avait un robot sentinelle en fait devant. What? Pourquoi prudence? J'entends donc là un robot sur roue. Oula! Là, ça va être douloureux, là. Est-ce que je peux viser la tête, s'il vous plaît? Évaluation de la menace. Pardon. What? J'avais oublié ça. Dis bonjour à papa. Rapport d'état. Joue. Les systèmes principaux ont subi des dégâts conséquents. Renfort recommandé. Wouhou, raté. Non, 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 pas la tête. C'est pas la tête qui m'intéresse. Voyez comme le jeu vous guide vers les mauvaises choses. Allez. What? Le machin, il a le temps de me défoncer, quoi. Mais enfin, bon. Hop, c'est parti. Progressons. Putain, oui, la tourelle, j'avais pas vu. Nom de Dieu. Quoi, 0%? Non mais où? Ce jeu ne me respecte plus du tout, chers amis, ça devient grave. Bah, système de contrôle des tourelles, bah tu m'étonnes, ouais. Bon. Hop. Bon, bah écoutez les amis, on va se laisser là malgré tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce-bériser, la commenter, la partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam, joueur de la Playroom, dont vous pouvez retrouver le lien dans la bannière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Et yop. Et yop.